Oh, t'as des ta cloche bleue, les gars, comment ça va? Minou, minou, minou. Il est un minou. Il est un petit minou. Bon. Maximilien, Guy Lagueguin et de la Guédin dans le top. Tu sais, c'est le fun que les gars prennent une carotte avec moi. C'est marrant, ouais. Non, attends. Non, il est pas ici. Il est pas ici. Excusez-moi, c'est la femme de Michel Bergeron à se demander s'il est encore avec nous. Non, il est pas là. Il est parti. Ben non, Madame Bergeron, pas de danger qu'il aille aux cocottes. Il est avec deux gars fiables, moi pis Guégué. OK? OK, bye-bye. Non, il est pas là. Bon, excusez-moi, un dossier de réglé. Hey, Red, tu es revenu tes vacances? Ben oui, t'es revenu, t'es allé au Nouveau-Brunswick, pas des spectacles. As-tu bien été? C'est super bien été, ben oui, finissant Sainte-Marie-de-Beauce. C'est la première fois que je vais dans un endroit où les gens boivent plus que moi. Sainte-Marie-de-Beauce. Ça prend un boisson au tabasnak. Je savais pas que Sainte-Marie-de-Beauce était au Nouveau-Brunswick. Non, ben j'ai fini à Sainte-Marie-de-Brosse. Chris, toi, t'as l'air d'un gars qui est allé à Sainte-Marie-de-Brosse, pas mal. Cheers. Content d'être aux yeux bleus. Aux yeux bleus. Aux yeux bleus. Aux yeux bleus, à poche bleue, qu'est-ce que ça peut me faire? L'important, c'est de savoir que c'est ici que tout se sait. Vous savez très bien. 100%. On commence avec quoi, ma grande samouraï? On commence avec les manchettes qui ont retenu l'attention, mon Reggie. Oui, on commence avec les machines qui ont retenu l'attention cette semaine. Ben, Laurent Duvernay-Tardif, ça, c'est important de le souligner, de retour avec les Jets de New York. Moi, au football, les gars, je vous dis ça de même en passant, je jouais à la même position que Laurent Duvernay-Tardif. J'étais garde. Ben oui, parce que souvent, le coach me disait « Garde le sans dessin à Régent. » On parlait du livre de Pierre Gervais. Livre de Pierre Gervais qui ne laisse personne indifférent, entre autres. Ça crée beaucoup de remue. Hein. Gervais qui parle de... Moi, j'avais lu son livre. Il parle de différents joueurs banqués dans la chambre du Canadien de Montréal, notamment. Il parle de Plekanec avec son col roulé. Gervais dit « Je l'ai vu jouer avec son col roulé et je l'ai vu dans la douche avec également un autre col roulé. » c'est dans le livre de Pierre Gervais. D'ailleurs, je sais pas, c'est, ben, récemment, il y avait le Salon du Livre à Montréal. Oui. Je vous dis ça d'une primeur. On aurait vu Dominique Doum-Doum du Charme qui aurait été vu avec un bidon d'essence près du kiosque de livres de Pierre Gervais. Alors, une petite anecdote qui s'est passée au Salon du Livre. Autre nouvelle intéressante également, Galchenyuk, les boys! Un autre contrat! Ben oui! Il s'est trouvé de la job, il est au Colorado. Quand tu regardes juste la définition ici d'une avalanche, là, ben, c'est importante masse qui descend rapidement vers le bas. Chris, il est à bonne place. Galchenyuk. D'autres... Hey, si j'ai bien compris aussi, en passant, je dis ça de même rapidement, Jean-Pascal, je ne serai pas bénévole pour les rouges cette année. Hein? Non, il est prêt un break. Ben oui, Jean-Pascal. Pascal, cale ta bière, Chris. Justement, tiens, une petite gorgée. T'as changé ta photo en arrière, mon Reg? Oui, c'est parce que j'utilise ce produit-là, c'est le Pepto Bisco. C'est très bon quand tu as des problèmes de digestion. On peut-tu l'avoir? Oui, je vais te la montrer tantôt. Hey, en passant, les boys, je vous ai vu récemment, vous étiez au Tricheur. C'est après deux semaines, ça, hein? Oui, exactement. Oui, vous étiez belle performance. Félicitations, vous avez bien performé. À la question, celle de Harvard Jackey dans la douche, je mesure combien? On voit ici Guigui qui a donné sa réponse. On disait 3 pouces du côté de Guigui et Max Millien a dit long de même. C'était la question qui était posée, bien sûr, aux tricheurs. Hey, bien sûr que vous savez que je rencontre tous les grands de ce monde du sport à la poche bleue. Une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt aujourd'hui avec nul autre que l'entraîneur. Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal, qui était dans une grande forme. On écoute ce que ça a donné.
Le petit Tintin. Mon invité à Poche Bleue, nul autre que Martin Saint-Louis. Bonsoir. As-tu remarqué, Martin, que Guigui Lagadaille a encore la face rouge? Honnêtement, je suis pas surpris de ça. En passant, Martin, as-tu mis tes pneus d'hiver sur ton char? Non, je pense que j'ai pas vraiment pensé à ça. Peut-être pas, mais ça prend quand même des bons pneus en neige sur un char. Tiens, modèle avec des bons crampons là, qui adhèrent là, et une bonne grippe. T'sais, c'est-tu un one-off ou une trend? Moi, je regarde les trends. Les pneus qui ont une adhérence avec des trends? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas une calice de minutes. Tiens, moi, je prends un petit peu, Martin. Présente bonne gorgée, là. Ah oui, vas-y, présente bonne gorgée. Hey, une bonne petite bière de la poche bleue. Voyons, tu as rentré, mon cochon? Oui. Ben là, si ça te débloque, Martin, vas-y encore. Merci beaucoup pour l'opportunité. Toujours avec Martin Saint-Louis. Martin, dernière fois que vous êtes allé célébrer après la game chez Paris, les gars se bousculaient pour rentrer. À un moment donné, tu vas corriger la situation. Ils vont se mettre en ligne comme tout le monde, puis c'est... Ben oui, c'est sûr. C'est chacun son tour dans la cabine. Je pense que ça a toujours été important. Ben oui, Martin, d'ailleurs, parlant de ça, le petit Cole Kofi, la première fois que vous l'avez lâché lousse dans une cabine, comment ça a été? Il est très engagé physiquement. Ben voilà qui complète cet entretien avec Martin Saint-Louis. Encore une fois, une entrevue lamentable, finalement. Ah, c'est sûr. Ça arrive. Merci beaucoup, Martin. Il est généreux. Voilà. Ben oui, il est généreux. Il est tout le temps disponible en entrevue. Il est très généreux de sa personne. C'est l'aime beaucoup. C'est on des continue. Beaux rats pareil. Ben oui, ben oui, ben oui. La Coupe du monde qui bat son plein au soccer au Qatar. Oh boy, faut... au Qatar, ben oui, effectivement. Hey, c'est spécial, ça, par exemple. Il n'y a aucune boisson qui est tolérée, en fait, dans les stades. Pas de bière dans les estrades. Ça veut dire que si jamais je vais là, moi, avec ma femme Ginette, entre autres, ben, colique, je vais être obligé d'y parler à jeun. Maudit. Des plans qu'elle me trouve intéressants, puis après ça, qu'elle va me faire des petites coquineries. Non, 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 non. Il n'y en a pas question. on parle, ben oui, il y a un match, je ne sais pas si vous avez regardé ça, entre autres, les différents matchs à la Coupe mondiale de soccer. Un match au niveau du Mexique, notamment, il s'est passé de quoi de ses parties? Il y a un joueur qui a été disqualifié. Il vendait des bijoux sur les lignes de côté, un joueur mexicain. Alors, ça s'est passé pendant un match. Et pour le match d'ouverture aussi, on avait demandé, entre autres, à différentes vedettes de la chanson internationale de venir chanter. Et voici ceux qui ont refusé, notamment, parce que ça a été proposé. Alors, les refus ont été de Rod Stewart, Elton John et Rihanna. Entre autres. C'est de valeur parce qu'il y en a d'autres qui auraient été prêts à accepter. Je sais que Boom Desjardins aurait accepté pour un repas chaud avec une cagnotte de 15 $ mais ils l'ont pas pris. Alors voilà. pour ça, les nouvelles du mondial de soccer. Ça va bien. C'est le début des parties de bureau. Oui, c'était fait. On est en pleine période de pointe des parties de bureau. Est-ce que vous avez un party, vous autres, la poche bleue? Oui. Un party de bureau? Oui, t'as été invité? Non, vous allez me donner la mauvaise date, mes hosties. Non, on t'a invité, Régent. Ah, mais j'ai pas eu connaissance de ça. Ben, en tout cas, ouvre tes emails, là, hostie. Ouais, mais ouvrez mes emails. Elle peut-tu envoyer un email à Régent pour l'inviter? Il y a un malaise. Change, Change la date puis l'heure pour LP, hier. LP, tu sais le gars, je t'ai dit de barrer hier. Invite-les, s'il vous plaît. Ben, entre autres, on parlait de party de bureau. C'était le party de bureau de... RDS, notamment. Alain Crête et son frère jumeau, Orville Rickenbacker, étaient là, au party de RDS. Ensuite, il y a Gaston Terrien qui était accompagné de la seule chose qui prend le temps de l'écouter. Et Jean-Paul Chartrand a quitté que 3 sacs de pinottes dans chaque joue. Alors... Sacrément, man. Voilà, c'est posé. Au party d'RDS. T'en as parlé un peu tantôt, Régent, mais il y a un livre qui a fait beaucoup jaser, le livre de Pierre Gervais. Oui, le livre de Pierre Gervais, on le voit ici lors de son lancement, le livre, entre autres, Pierre Gervais, qui a écrit, qui a beaucoup de choses, hein, qui a critiqué Dominique Ducharme, notamment. Il dit que Ducharme avait perdu son vestiaire, qui était tout mêlé, qui avait de la misère à communiquer, notamment. Ça n'a pas été long que Doum Doum Ducharme a sorti son livre intitulé « C'est pas vrai que j'avais de la misère à communiquer. C'est pas vrai que j'avais de la misère à communiquer. » Voilà. Et il a dit aussi, Pierre Gervais, que Marc Bergevin agissait comme un adolescent. Alors, ça n'a pas été long que Bergevin a sorti son livre intitulé « Yo, bro, what's up, PJ Gervais? » Alors, on voit bien qu'il n'y a pas de l'air d'un adolescent. Alors ça, c'est son livre.
C'est pas vrai qu'ils se comportaient comme un adolescent. Alors, ils ont répliqué, ils ont le droit de répliquer. Ils ont sorti leur livre, eux autres aussi. Bon, voilà. C'est fair pour tout le monde. Communauté. Ah, bon. Ah ouais, ça va. Alerte en mer. Tu dis que j'ai bien, fais du bien. Oh, <c'est... rire> on pense à trouver l'intrus. Alors, le prix cette semaine, c'est le la livre la de Pierre la Brunet. La la. Alors, trouver l'intrus cette semaine. Alors, vous voyez bien à l'écran, entre une horloge suisse, Evgeny Davdanov, Maximilien Chaudhaï devant un Irinoir. Une horloge suisse. Evgeny Davdanov. Evgeny Dadonov, ben effectivement, bonne réponse, c'est Dadonov. Les autres sont plus précis que lui. Alors voilà. C'était l'intrus cette semaine. Tu étais fait. Oui, oui. C'est ton moment préféré, Reg? C'est le moment. Oui, ben c'est le moment préféré de tout le monde, bien sûr. Le sosie de la semaine, bien sûr. Vous vous souvenez quand le Canadien a revêtu l'uniforme bleu poudre en souvenir, le Canadien de Montréal. Alors, ben, c'est Kaiden Goulet avec un schtroumpf ici. On va bien. Il y a plein de petits schtroumpfs. Alors, voilà, c'était le sosie de la semaine. Un petit schtroumpf. Alors, merci d'avoir été là, les boys. Mais quel con. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je suis en spectacle encore les prochains jours. J'entends pas de vous donner toutes les dates, ça va être trop compliqué, mais vous allez sur ma page de Région de Terrebonne, vous allez pouvoir me suivre. Merci aux gens qui sont venus me voir, je vous souhaite une bonne, bonne, bonne soirée! Page Facebook, Reg, page Facebook ou ton site internet? Ma page Région de Terrebonne Facebook, là, vous allez trouver ça facilement. On fait juste marquer Région de Terrebonne Facebook, vous allez trouver ça facilement. Ou alcoolique. Mais marquez Région de Terrebonne Facebook! Salut! Salut bien, bonne soirée! Salut! Salut, Reg! Bye-bye!